Hey, salut tout le monde, ça c'est les ponts, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur InChat4 pour la suite de l'épisode. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, le pouce vers le haut pour récompenser. Je vous invite de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et puis de commenter. Et je vous dis bon visionnage. Oula, une bonne petite droite. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Il va falloir faire mieux si tu veux te débarrasser de toi. Acabemos con esto. Je t'attends. Tout ce que t'avais. Allez, à mon tour maintenant. Allez, prends ça. Bim! Chingada, este gringo sabe pelear, eh? Demuéstrale al gringo qui manda. Je peux pas esquiver. Esto va a ser divertido. Prenez la ligne! Esquiver. Ah, t'as compris, t'es esquivé, hein. Tu le faisais, mais... A voir comment tu sales de esta, cara. Une deuxième fois. Par contre, ça, il a pas vu. Fais un petit coup de coude. Vas-y, approche, gringo. Joli esquive, lâche-moi, là. Comme tes t-shirts. Prenez ça, hop. Lucha comme un homme. Encore une jolie petite droite. Tu l'as bien cherché. Pour ça, il esquive bien en tout cas. Et pour ça, gauche, droite, le bac qui continue. Je ne veux pas avoir ça. Il est mieux en pleine face comme ça, il doit le sentir. Vas-y, prends. Hop là. Tu commences le terreau, mon ami. Tu commences à sentir le coup. Hop là. Tiens. Oh. Ça y est, je vais fatiguer. Tu ne pourras pas comme ça. Je vais serrer la bocota, gringo. Lâche-moi. Je vous attends esperando aquí, hein! Abre! Ok! Allez, quoi! Combien de temps je vais devoir coupir là-dedans? Hein? Et où sont les toilettes? Je te laisse deviner. Amuse-toi bien. Je vais me gêner. Gracias! Ça y est, c'est pas chaud. Aïe 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 aïe. Ah mais là, là ça se voit que devant tout le monde, on fait le malin, mais une fois qu'on est tout seul, ah oui, du coup il a dormi toute la. Que lumière soit fût. Que lumière fût. Dommage, j'étais en train de faire un super rêve. Hé, hé, hé. On se calme. Doucement. Ah! Toujours mes notes. Mondo. Ok, calme-toi. Les gars, l'enfer sur terre. Les gars, ne bougent pas comme ça. Coupa, pendejo. Et sinon, je pourrais prendre une douche. Cállate. Parce que vous m'amenez comme ça, les gars. Bonjour, messieurs. Ou bonsoir. Difficile à dire au fond de ce trou. Oye, idiota. Monte les escaliers. Viene saliendo un prisionero. Abran la reja. Tranquilo, una semana. Ok, je te suis, chef. Una semana. Salut, ça va bien? Eh, hey, il faut aller mal. Beau et humide aussi. Bienvenue au gringo. Ah, il fait jour. Hey, gringo! Dis lo que hiciste a Gustavo! Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. ¡Ey, Vargas! Cuando regreses. ¡Déjanoslo a nosotros! ¡Nos encargamos de él! ¡Muévanse! ¡Quítense, cabrones! ¡Ey, ey! ¡Tranquilízate! On dirait que tu as des admirateurs. ¡Ay, mon public adoré! Ouais, c'est vrai que. Il y avait du monde, hein. Qui m'a observé. Ah, encore un peu
problème de son, je pense que ça vient du jeu, hein, mes amis. Ça vient du jeu, je peux rien régler du coup, malheureusement. Abre las rejas. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Problème de son. Diviértete. Je parle un peu espagnol, tu sais. Et le problème d'image aussi. Le problème de son, plus problème d'image. Oh non, pas la torture, non. Non, il est pas éteint. Atrás. Este me encanta. Bien. Ouf. Et les gars, vous avez pas honte de frapper quelqu'un innocent comme ça? Ouais, c'est bon, j'avance là, arrête de me pousser. Ok. Où tu m'emmènes? Tu m'amènes où exactement comme ça là? En plus, t'arrêtes pas de me pousser là. Non, pas par là. Ok, je te suis. Ok. C'est par là qu'il faut y aller. Après toi. Ouais. J'y vais. Non, ça a pas l'air louche du tout. Je sais pas, je trouve que ça ressemble pas au bureau du directeur. En tout cas, il me semble que non. Hein. Ouais, c'est bon. C'est dans les égouts en plus. Ça doit pas sentir bon là. Par là? Oh, il y a une petite porte ouverte, entre-ouverte. On y est. Ok. Ok, tu me les enlèves ces menottes ou quoi? Je veux en être. En être? Je sais pas ce que vous comptez trouver là-haut, mais je veux en être. Attends, Vargas, le deal c'était que tu nous fasses entrer et ressortir, c'est tout. C'est tout. Je prends tous les risques à votre place, Gringos. C'est vrai, mais Rafe te verse une très grosse somme en contrepartie. Si. Mais c'est loin d'être suffisant. T'aurais jamais dû regarder dedans. Je sais. J'aurais jamais dû non plus me laisser acheter. Ni vous emmener dans cet endroit. Ni passer mes nerfs sur mes détenus. Mais c'est comme ça. Tu pourrais faire attention, ça a au moins 300 ans. J'étais membre de l'équipage du capitaine Henri Avery. Tu sais de qui il s'agit? Avery était un pirate. Le pirate qui a ramassé le plus gros butin de toute l'histoire. Et qui a disparu avec. J'ai fait des recherches. C'est super. Un trésor de plus de 400 millions de dollars d'or et de bijoux. Tout ça sur un seul et unique bateau. Le Gunsway. Ouais. Je sais, je connais cette histoire par cœur. Où est-ce que tu veux en venir? J'occupe la cellule la plus élevée de la prison espagnole. Ah, ici. J'espère qu'un jour vous finirez par trouver votre chemin en ce lieu. Le Gunsway commence là. Ah non, mais non. Bon là c'est pas moi, c'est pas du tout moi du tout, il n'y a pas de problème de mon côté. Mais surtout ça vient du jeu. Ça demande une mise à jour hein, je pense. Hein. Le jeu demande une mise à jour parce que là il y a un sacré bug. J'espère que ça va pas faire comme ça sur tous les épisodes. Hein. Sinon je serais obligé de stopper l'épisode. J'espère en tout cas que ça va pas continuer comme ça, sinon je stoppe l'épisode et puis je commencerai sur un autre jeu. Aïe, quel bug. Ouais, toujours pas résolu. T'as apporté ce que j'ai demandé? Ouais, je l'ai caché juste là, en dessous de la table de travail. Côté des caisses. Super. Ah ben, ça se fait mis enfin. Ok. D'accord. Bon. Allez. C'est parti. Oh, ça commence bien. Voilà, les doigts dans le nez. Ça a glissé. Hop, c'est bon. C'est quoi ce trou? Il n'y a pas là-dedans. C'est pas profond, mais je peux descendre. Ok, petit trésor. Trésor. Alors ça, pièce qui va sûrement servir à monter là-haut. Oui, c'est bon. Ouais, ça. Fallait faire oublier. Enfin, les affaires reprennent. Et ouais, les affaires reprennent. C'est reparti.
Hop là, du coup. Ouais, ok, bon. Maintenant, il faut aller de l'autre côté. C'est parti. Yo. J'ai réussi du premier coup, c'est cool ça. Allez, encore une deuxième fois, je pense. Hop. Allez, yop. Est-ce qu'il faut que je descende un petit peu? Oula, il a pris un sacré coup. Ah, il a pris un sacré coup, il doit t'assembler là. Allez, je remonte. Allez, allez. Oh non. Ouf. Heureusement qu'il s'est attrapé, hein. Je me suis fait peur là. Hop, c'est bon. Et ensuite. Ok, faut que je glisse. Essayer de glisser par là. Hop. Hop là. Oh, ok. Faut que je saute l'autre côté. Ouf. Chaque fois que je saute, je serre tout ce que je peux. Hop, voilà, c'est bon, tu as réussi. J'ai vraiment hâte de raconter ça à Sam. Sam, il est pas là. Malheureusement. Allez, toujours okay, plus haut. Ok, toujours plus haut. toujours plus haut, il faut pas tomber ici. Hop. Allez, monte. C'est bon. J'imagine qu'il faut aller en face. Saute. Ouh, c'est bon. Allez, faut que je trouve la cellule la plus haute. Faut que je trouve la cellule la plus haute. C'est parti. Faut pas sauter. Attends, regarde. Je monte là. Hop, c'est bon. Faut suivre la procédure. Du coup. Allez. C'est le côté qu'il faut y aller, ok. Difficile de croire que des dizaines de pirates étaient terrés là-dedans. Ah ouais. En attendant d'être pendus. Ah ouais, d'accord, ok. C'était sacrément difficile par là, alors. Voilà, c'est bon. Alors, et maintenant? Et maintenant? Ah bah, je sais pas du tout. J'ai mal à croire que c'est en partie encore debout. L'Espagnol savait construire des prisons solides. Lettre. Alors, il y a quoi dans la lettre? Lire. 18 septembre 1696. J'ai pendu le premier équipage du capitaine Avery cet après-midi sous les yeux de leur acolyte. Cet acte gratuit aura eu le mérite de leur insuffler assez de crainte pour ce qui va suivre. Une visite au reste des hommes enfermés dans la tour. Ces pitoyables pirates se sont jetés à mes pieds, me suppliant de les épargner. Un jour, j'espère entendre de telles supplications de la part de leur insaisissable capitaine. 20 septembre 1696. Alors que j'ai finissé de prendre le reste de pirates ce matin, l'un d'eux a osé me proposer un pot de vin au moment où on lui enfilait son capuchon. Encore des vagues promesses d'un immense trésor. Je lui ai demandé où se trouvait le reste de sa bande et j'ai ouvert la trappe au moment où il répondait. Je n'ai aucune patience pour le mensonge de pirate. Ok, d'accord. Donc, j'imagine que c'était le directeur. Hein, et il devait être sévère, je pense. Sans état d'âme, c'était un plaisir pour lui de tuer le pirate. Beaucoup de pirates ont dû mourir là. Ok, bon, j'ai ramassé, je parlais, j'ai avancé, j'ai ramassé. Ok, bon, maintenant, il faut que je remonte. Et hop là. Donc je veux un truc là au-dessus, ici, il faut appuyer sur L2, je lance, hop, maintenant il faut que je maintienne L2 et je tire, vas-y, j'ai réussi, allez, je saute, c'est vraiment beau, hein, si allez, on regarde le paysage, faut bien le reconnaître. C'est vraiment beau, c'est vraiment trop cool, ça va être difficile de s'en échapper, hop, et
Qu'est-ce que je dois faire? Hop, je tourne comme ça. Oh, la prison, elle est immense. Hein. Elle est immense, la prison. Hop. Allez, je monte, je pense. Je dois monter. Fais gaffe. Allez, monte. Ah, si seulement Sam pouvait voir ça. Suspendu, je sais pas combien de sols là. Sans corde. Nous y voilà. C'est la cellule de Burns. Ok, cellule de Burns. Cellule? Ça ressemble plutôt à une suite. Bah, je pense, ouais, c'est assez confortable. Alors, par où commencer? Il y a un truc là. Ok. Le soleil et la lune. Les symboles alchimiques de l'or et de l'argent. Une minute. Il semble que j'ai vu quelque chose comme ça sur la lettre. La lettre. Il y a une lettre. Ah. Ok. C'est bien une partie du symbole. D'accord, ok. Maintenant je tourne. Ah, voilà l'autre moitié. D'accord. Alors. Ok, bon. C'est déjà plus logique. Ok, alors j'ai deux signes du zodiaque. Signes du zodiaque. Sagittaire et Scorpion. Sagittaire et Scorpion. Sagittaire, 10. Et Scorpion. Ok, bon. À mon avis, ça. Si on calcule les chiffres romains. Ces gribouillis et ces rayures doivent bien avoir un sens. C'est 12. Attendez, je regarde. 12 en chiffres romains, ça ressemble à. Ok, est-ce qu'il n'y en a pas ici? Alors. 12, montrez-moi 12. Ah, c'est bon, il est sous mes yeux et j'ai pas vu. 10 et 2. X et II. Voilà, je trouvais. Regarde-moi un peu ça. Et voilà, Stone. Digna factis recipimus. Ok. Bon, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Rien d'autre, ok. Ok. Il est temps d'y aller. Il n'avait pas peur s'il y avait du serpent ou un truc comme ça. Il entend quand même que le trou a été fait. Enfin, je pense que c'est assez petit pour le voir. Ok, alors du coup, comment je vais sortir d'ici? Ah, c'est bon, par la porte, bien sûr. Allez. Allez, je la première marche est dangereuse. Ah oui, je vois ça. Mais comment il faisait pour se descendre? À mon avis, ça doit être... Ça devait être un escalier en bois, du coup, avec le temps, ça a été mangé par la termite. Est-ce que je peux descendre là? Ah, c'est bon. Ici, ok. Je commence. Je me balance. Ok, bon, du coup, j'imagine que je dois descendre. C'est parti. Voyez, je descends. Hop. Du coup, même si je glisse, je pense que je ne serai pas mort. Il faut que je descende encore un petit peu. Et maintenant? Allez, je balance. Allez. Elle doit taper le mur. C'est bon. Ouh, je croyais qu'elle allait pas rattraper là. C'est sorti de mort là. Ok. Je dois suivre la poutre. Et maintenant, il faut prendre le temps d'observer. Allez, il y a quoi là? Ça bloque. Je ne vais pas observer autour de moi. Qu'est-ce qui se passe? Alors, l'un de ces bugs. Ah oui, c'était l'un de ces bugs où je ne pouvais pas voir autour de moi. J'imagine que. Oh! Oh! Je dois descendre. Oh! C'était chaud. J'aimerais bien voir elle faire ça. C'était chaud. Je croyais que j'allais mourir. Hop, c'est bon. Allez, je pousse encore. Allez. C'est bon. C'était oh, c'est magique. Ah oui, c'était ton épaule, ça. Oui, contre la mur. Contre la porte inférieure comme ça, là, ça doit faire mal.
Donc j'imagine que je dois aller en face. Ok. Allez, je cours, je cours. Hip là. C'est chaud, mais à chaque fois, je me rattrape. Hein. Ah ouais, en plus, il n'y a que des rochers en dessous. Alors, ici, il faut que je glisse. Ok. Encore une fois. Oh merde! Non, non, non! Allez, allez, je me rattrape en dernière minute. Allez, hop. Oui, j'ai réussi. J'ai réussi. En deux temps. Est-ce qu'il y a des trésors ici que j'ai manqué? Alors, voilà. Donc, j'imagine qu'il faut que je remonte encore une fois. Hop, je suis à la lettre là. Hein. Hop. C'est bon. J'ai réussi. Ça, c'est bon signe. Saute. Oui. Ça, j'ai pas prévenu. Hein. Allez, hop. Ah, mais j'imagine que je suis de retour en prison là. C'est bon. Je descends. Beau travail. T'as trouvé quoi, Drake? Quoi? L'endroit a été pillé. S'il y a un indice caché là-haut, j'ai pas réussi à le trouver. T'en es sûr? T'as bien regardé au bon endroit? Je sais pas, j'ai peut-être loupé une info dans la lettre. Il y avait peut-être une autre tour dans le coin qui a fini par tomber en ruine. Ouais, c'est ça. Est-ce que il y a des plans de ces bâtiments? Des plans d'architecte? Ça se pourrait, il y a pas mal de paperasse. Ok, super, alors on va en faire le tour, et vois ce que tu peux trouver. Pendant ce temps, je vais parler à Sam, c'est lui l'expert sur Avery. Si ça se trouve, il comprendra tout ça mieux que moi. D'accord, je vais regarder les dossiers. Ouais. Tourne-toi. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un petit like de récompense, de commenter. Et puis toi qui passe par là, qui n'est pas encore abonné, toujours pas abonné, je t'invite d'être abonné, c'est gratuit. Et n'oublie pas d'appuyer la petite cloche entièrement pour recevoir les prochaines notifications de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao!